Oui, c'est bon, on se dit ça là, merci. Merci. Je vais attendre quelques petites secondes, une minute. Je vais me lancer. Salut, c'est bon. Je suis en train de me faire. Je Tu en train tout à l'heure, c'est extraordinaire. انا معاك اه انا لا كونيكسيون قيلرجعس attendez une seconde, à seconda, si sti. E... Je copie et je, je, je lance le, le lien quelque part. Bach... Blu... Voilà, je le prends là. Je copie. Voilà, j'ai lancé le lien manquant. Alors, bonjour à toutes, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, premièrement, je tiens à remercier mes amis et collègues qui m'ont fait conscience. Je salue euh, très vivement la, cette initiative de création d'une page euh, Facebook pour pouvoir euh, communiquer avec euh, les étudiants et peut-être, pourquoi pas, avec tout le public. Euh, L'idée de départ, je crois que tout le monde... De, fin, mes amis et collègues, ils la partagent avec moi, c'est que effectivement le partage est une valeur universelle. Et euh, celui qui a dégusté les, les, les bienfaits et le plaisir du partage, il ne va pas me contredire. Et vive, vive le, le, le bénévolat. Euh, deuxième élément que j'aimerais bien souligner avant d'attaquer de, 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 et d'entamer la, 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 le, le cours ou la leçon d'aujourd'hui c'est que j'aimerais bien euh, redire un message très simple. Restez, reste chez toi. Kim Kemroron. Stay at home. Avec toutes les langues, restez, chers étudiants, chers publics, tous ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, restez chez vous parce que c'est le seul moyen dont vous disposez aujourd'hui pour pouvoir aider notre pays à surmonter cette... Cette, euh, cette épreuve qui est vraiment une épreuve difficile. Ce n'est pas seulement notre pays, mais le monde entier. C'est le monde entier qui passe par là. Alors pour le marketing, je le dis dès le départ, un préalable. Euh, heureusement, Mohamed, on n'est pas en classe, on n'est pas flançier, dit Navira.

l'objectif il de la séance l'objectif il est très simple objectif qui est très simple après à de la séance dial 30 ou la taille 45 minutes tardeau de nouvelles lunettes de voir je dirais pas le monde mais au moins de voir de la discipline ou de la spécialité de la, de la, de la marketing alors je vais traiter quatre éléments essentiels. D'abord, je vais essayer d'aller vers un petit peu l'origine, l'origine du marketing. Mes étudiants marketing sont là et donc euh, n'importe qui. Je suis très, très ouvert à toutes les propositions. Je regarde sur le fil euh, l'ensemble des messages et si on ne sait jamais, il y a des remarques, il y a des compléments, c'est avec plaisir. Euh, personne ne détient le, le, le savoir euh, personne n'a l'apanage la, et là le pouvoir sur tout qui que ce soit on est là pour euh, apprendre aussi parce que je crois que l'apprentissage la, l'enseignement est un axe d'apprentissage aussi et donc on peut apprendre en, en enseignant mais on peut on apprend en travers l'enseignement et je, euh, je le déclare j'ai beaucoup appris avec mes étudiants donc je vais aller sur l'origine' de Marketing. Mes collègues on m'a demandé de faire un petit peu une introduction. On est dans le début de ce projet là, donc je vais essayer de faire une petite une introduction. Et au moins le l'introduction, Quoi dire l'introduction? Ce n'est pas évident. J'ai essayé d'être un peu sélectif. Je vais essayer de traiter quatre éléments essentiels. D'abord l'origine du marketing. Deux, c'est quoi le marketing? Trois.

la démarche marketing, c'est-à-dire la réponse au comment du marketing euh, dans quatre questions très simples. L'origine, c'est quoi Quelles sont ses composantes et comment il est articulé cet esprit marketing Alors pour le pour l'origine, je vais pas trop, euh, je vais pas faire de, de, de la narration, me pas dire l'histoire. je vais tout simplement euh, je vais vous le demander, même si on n'a pas la possibilité d'interagir, je vais vous demander une question très simple. J'ai l'habitude de commencer mon cours avec ça. C'est deux phrases très simples. Vendre ce qu'on a produit, produire ce qu'on peut vendre. Je n'ai la différence. Quelle est la différence entre vendre ce qu'on a produit et produire ce qu'on peut vendre?

غادي ندير الاختزال شنو هو الاختزال هي إيه غادي نحاول انني نشوف هاد لي دو فراز فوندر سو, سو كون ا برودوي اي بروندر سو كون بو فوندر غادي ندير فيهم الاختزال قال لك سي ستي قال لك واحد واحد الدري كان كيدير كيدير الادب وطلبوا منه انه يدير واحد العمليه رياضيه وعطوه القيمه المضافه ل على اكس ودار دار واحد العمليه بسيطه اختزل لب... اختزل باكس وبقاو له دوك لي دو... دو بار ديال لا فالور ابسولو الفوق غادي نحاول ندير نفس الطريقه لان غتعطيني des des résultats extraordinaires c'est que euh, vendre ce qu'on a produit produire ce qu'on peut vendre غادي نحيد vendre في les deux phrases g'n'hied produire في les deux phrases g'n'hied ce qu'on se qu'on في les deux phrases le verbe pouvoir la deuxième phrase c'est la première différence la deuxième différence j'insiste euh, Chers étudiants, une question. la première chose à faire, c'est de bien la comprendre. un problème bien posé est à moitié résolu. donc, si tu n'as pas bien compris la question, tu ne peux pas répondre à la question. donc, si tu aimes la question. sect analysis, la différence entre les deux phrases la première différence c'est le verbe pouvoir ou machirajie au pouvoir pour pouvoir vendre il faut vraiment un travail un énorme travail en amont deuxième différence le temps de la conjugaison des deux phrases ouedda le verbe vendre ce qu'on a produit passé composé l'autre produire ce qu'on peut Vendre au présent de l'indicatif. Il a dit la, la première phrase. Nous avons la sous forme d'un processus. Et le processus, is a dit un processus. a un processus. c'est un ensemble d'étapes étape, qui débouche sur une action bien déterminée. Donc, nous avons dit la phrase sous forme de processus. Il Vendre ce qu'on a produit, par quoi on va commencer à votre avis Est-ce qu'on va commencer par la vente ou on va commencer par la production On va commencer par produire, vendre ce qu'on a produit. Ça suppose que nous avons produit d'abord avant de chercher à, 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 à vendre. Donc, je produis, après, je chercherai à vendre et l'objectif principal dans cette phase-là, c'est essentiellement maximiser le produit maximiser le profit j'ai dit maximiser le profit qu'est ce que ça lorsque j'utilise déjà le fait stem le verbe maximiser a une signification je n'ai pas dit optimiser je n'ai pas dit atteindre un profit non j'ai dit maximiser le profit et lorsque je dis maximiser le profit le verbe maximiser rat pour ce qu'on appelle l'ère scientiste. Je pas l'ère scientiste, c'est l'ère pendant laquelle les sciences exactes ont connu une euphorie, un foisonnement extraordinaire. C'est-à-dire l'ère, la période pendant laquelle les sciences exactes l'ont emporté sur les autres sciences. Que nous les ingénieurs, les les sociétés. donc, il a qu'elle il a qu'elle tout, Les Taylor, les classiques du management, ont passé on passait de... Euh, euh, les classiques, dit le management, c'était essentiellement l'école classique, c'est The One Best Way de Taylor Et lorsqu'il te dit The One Best Way, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une seule et unique manière et meilleure de faire. le management. Maintenant, ça, je vais faire le marketing. Il faut qu'il y ait une période bien déterminée. Il qu'il y ait la même approche, la même philosophie, les mêmes idées, lesquelles il la planète ou la société en général. Alors, Pardon, le management qui a droit à l'Ouest, c'est l'organisation scientifique du travail, ou la microéconomie, les étudiants, lesquels ont l'économie, ils l'économie. qu'il y a la micro. Ou la microéconomie, c'était quoi C'était la même période. Ils ont essayé, les néoclassiques, Jovens et compagnie, ils ont essayé de rendre la science économique comme étant une science exacte. Donc, on cherchait à maximiser le profit et dommelmhaechhodji période c'était une période pendant laquelle l'offre était largement inférieure à la demande c'était une période pendant laquelle euh, l'offre était très rare d'ailleurs نقولها بهاد نقولها اللغه هذه لعل وعسى تلصق وقيل فورد كان كيتنز فاش قال عباد الله فوز افي لو دووا دو شوازيغ لا كولور دو فوتر فواتور ا كونديسيون كو سا سوا نوار عندكم الحق تختاروا اللون ديال الطوموبيله ديالكم الحق الكامل انك تختار اللون ديال الطوموبيله ديالك بشرط يكون كحل وماشي ماشي طنز هذا سي السي تايل فورد <applause> مي هذيك كنا كنسميوها سي اون C'est une époque de pénurie. Il y a la période qui correspond à ça au Maroc. Il y a la période de l'Amjou. Il y avait une économie de pénurie. Exact, oui, ça. C'était une économie de pénurie. Et qui dit pénurie dit manque. Il y avait le manque des matières premières. Il y avait le manque des produits. Il y avait le manque des biens. Il y avait le manque des services. Et par voie de conséquent. ما غاديش يجي واحد يقول لي يا أه نختار ولا نو no. ربي غير تلقى ما تشريف لو مارشي ربي تلقى غير ما تش... ما تشري إيه ما ما تشريف في لو مارشي ايمان بغيتي نسميها الماركتينغ باسيف انا ما عنديش الباسيفه بنتي اما كاين الماركتينغ اما ما كاينش كانت لا فونت كانت لا كوميرسياليزاسيون يعني عليها يا بنتي انا ما كنبغيش

je disais que il euh, y avait l'économie le, le, de pénurie et donc les entreprises ils cherchaient à maximiser les profits, ils cherchaient à atteindre le maximum de profits. Et l'enjeu numéro un pour les entreprises afin d'atteindre le maximum de profits, c'était quoi C'était tout simplement, je connais Gola, de produire plus. L'enjeu numéro un pour les entreprises à l'époque, c'était de produire plus. On s'en fout de ce que nous produisons. Il suffit de produire et de le mettre sur le marché. Il va se vendre puisque la population, les gens n'ont pas le choix parce que l'offre, je répète, l'offre était largement inférieure à la demande. L'entreprise était en situation de force. Il imposait ses règles de jeu. Mais Shreyuka, les entreprises qui existaient ils cherchaient à produire plus. De nouvelles entreprises ont été créées, surtout ce qu'on appelle la nouvelle génération des entrepreneurs fa la, fa, fa la fin des années 60, début des années 70. Année qui, la société. Il y a des corps ou les qui les. Les signes de richesse, qu'est-ce qu'on fait Un phénomène de mémétisme. Donc, il y avait la création d'une nouvelle génération des entrepreneurs. Et avec la nouvelle génération des entrepreneurs, les anciennes entreprises produisaient. D'ailleurs, quand nous faisons big is efficient, il y a la grande taille il permet de réaliser de l'efficience. l'efficience veut dire de minimiser les charges, de minimiser les coûts. quel type de coûts? c'est les économies d'échelle. c'est les économies qui que l'entreprise pour réaliser grâce à la répartition des charges fixes. vous voyez, en marketing, au c'est une discipline. On a parlé de la microéconomie, on a parlé du management, là on parle des économies d'échelle, on a même la répartition des charges fixes, on a la dans le contrôle de gestion, on a la responsabilité de analytique. C'est une discipline parce qu'elle est au carrefour de plusieurs, de plusieurs disciplines. Donc, les anciennes produisent... Par rapport à ce que vous avez dit, la production ne précède pas forcément la vente. Ceci concerne les produits standards, mais il y a les produits spéciaux qui sont...

Et j'ai l'habitude de donner un exemple à mes étudiants. Lorsque vous êtes ou là dans les entreprises, lorsque je fais des séminaires en formation continue, une fois vous êtes dans un marché, une grande surface, imaginez-vous dans une grande surface aujourd'hui. imaginez que vous passez dans, une, dans, une, dans un rayon. Je dans le rayon okay. ن مارك اي ا دروات اي ا غوش اي دون لي تي جي، تي جي سي تي دو غوندول فاش كادخل اون كروند كي سيرفاس كيكونو ديك اللي... البلايص فين كيحطو كي السلعه كاينه الاولى والثانيه، يعني داك الريون كيكون كي الراس الاول والراس الثاني، هادوك الريوس كيتسماو لي تي جي ولا لي تي دو غوندول، شحال من ماركه عندك عامر البريزونتواغ وعامره لا دروات وعامره لا غوش، شنو غاتختار؟ rien mes étudiants ils me disent choisir les biscuits de qualité c'est quoi la qualité les approches d'enseignement les approches pédagogiques les auoma superficiel il y en a pas mal de concepts des, je dis bien des concepts c'est à dire des concepts stables scientifiquement on passe à côté on, on, on passe dessus comme si tout le monde les maîtrise je, rare c'est rare, hein, je le dis, c'est rare, de tomber sur des éléments qui connaissent qu ce que ça veut dire la qualité une fois qu'on pose la question. Ah, la qualité, ah, tout le monde en parle, mais c'est quoi À ce moment-là, on se dit ah, il vaut mieux s'arrêter sur la qualité. Moi, je donne l'habitude, j'ai l'habitude de donner la, la définition de l'AFNOR, la, de l'Association française de normalisation, qui Goulou, c'est l'ensemble des caractères parce que c'est celle qui correspond à ce que je veux. Je suis en marketing et je cherche les définitions des concepts qui correspondent à l'angle de vue marketing. Il y a un angle de vue marketing. J'ai au départ qu'un de mes objectifs là, de, la, de la séance, c'est de vous donner une idée de ce que c'est que de prendre une idée de ce que c'est que le marketing. C'est-à-dire que si vous voulez voir quelque chose, vous devez le voir de l'angle de vue marketing. C'est l'objectif du premier cours. C'est de savoir qu'il y a une manière... De voir qui s'appelle l'approche marketing. Alors, la qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques qui confèrent à un produit la capacité de satisfaire un besoin. Donc, la capacité de satisfaire un besoin. C'est bien, mais c'est quoi un besoin mmh. eh, Le besoin, heureusement, la majorité l'a vu dans le cadre du cours de l'économie. Et ils me disent, le besoin, monsieur, c'est un sentiment de manque. C'est bien, c'est un sentiment de manque. Pour le satisfaire, j'ai besoin des produits. C'est quoi un produit Qu'est-ce <laughs> que alors, à un certain moment, les gens, ils se disent "Bah attention On croyait qu'on maîtrisait un certain nombre d'éléments, un certain nombre de termes, de concepts qui sont très simples. Mais la simplicité nous a poussés peut-être vers le simplisme. On ne s'arrête pas sur les termes, on s'arrête pas sur les concepts afin de mieux les définir. C'est quoi un produit Toute entité capable de satisfaire un besoin. Mais attention il y a une définition à Ali, qui dit Jean-Jacques Lambin, que un dit qu'un produit, c'est un panier d'attributs. Et c'est quoi un attribut C'est une caractéristique qui correspond à un besoin. Donc, c'est quoi, entre... quoi une voiture alors Vous vous souvenez Non, blège. C'est quoi une voiture Mais la voiture, la voiture, c'est la tenue de la route, c'est l'économie, c'est le prestige, c'est le confort. Donc la voiture, c'est un ensemble d'éléments, d'attributs, et chaque attribut est orienté vers un besoin. Okan club, je sais la différence, ma bine. Ma gandir le es har favori, dire que dir le et, et, et la voiture de Qatar, il faut les marques. La voiture de l'Ouara, Une voiture de Sreora. Je ne sais pas ce que vous avez C'est le même produit, c'est la voiture. Mais quelle est la différence entre les deux Je ne sais pas ce que vous avez dit. Ce que vous avez c'est l'importance relative des attributs. Chaque produit, chaque voiture, فيها بزاف ديال لي زيليمون ديال لي زاتريبيو ولكن الدوزاج ديالهم مختلف واحد لا فواتور ديال واحد الماركه اللي هي اوت كام فيها الكونفور وفيها ستاتوس سوسيال تقدر تلقى كيمثلوا 80% وليكونومي كذاك تقدر تلقاها كتمثل 2% في ولكن فلا بيتيت فواتور تقدر تلقى, تلقى ليكونومي هي 50% في هنا فين كيختلفوا كي لي برودوي علاش لان لي كليون نو سون با لي ميم Parce que les clients, ils ne constituent pas un tout homogène. Les que les clients, ils sont hétérogènes. Les que les clients, toutes les, les ils doivent répondre à chaque société. C'est Donc, agis. الشركة اللي بغات تبيع في الوضع الراهن ماشي هذا ديال كورونا خليونا ديال كورونا غير خليونا في الكور ديالنا العادي وخليونا هاد الأزمة لأن الشاذ لا يقاس عليه هاد المرحلة مرحلة أزمة والأزمة عندها الخصوصيات ديالها الشركة اللي بغات تبيع توت أنتربريز كي يسبيغ غانيي إي أفواغ دو مارشي كومون إل دوفغي بروسيدي إل دوا كونيتخ لي بوزوان دو مارشي une entreprise qui ne connaît pas son marché une entreprise qui maîtrise pas une entreprise qui ne connaît pas sa clientèle elle aurait du mal à pouvoir vendre Alors, a tout simplement il ne connaît pas les besoins de sa clientèle Et là, on dit la deuxième phrase on dit la, phrase, de la phrase vendre ce qu'on a produit d'ornement l'offre de est largement inférieure à la demande après, les entreprises. Les entreprises anciennes, ils produisent. À un certain moment, je L'offre dépasse la demande. Comme une grande surface, rayon de biscuiterie, l'offre. Il va dépasser la demande. Et puisque l'offre, il va dépasser la demande. Regardez la, la deuxième phrase. la production, aide maximiser le profit. Là. D'abord, quand tu lis les besoins de la clientèle, d'abord, connaître les besoins du marché. Une fois que tu connais les besoins du marché, tu vas produire. Qu'est-ce que tu vas produire Tu vas produire ce qui va permettre de satisfaire les besoins de ce marché-là. L'objectif, c'est quoi Quand c'est quoi l'objectif Quand on veut maximiser le profit, quand c'est c'est dire le profit. Si tu n'es pas capable de satisfaire les besoins du marché tu n'auras pas la possibilité de gagner et de gagner de l'argent ni de l'argent ni autre chose donc le souci numéro un, c'est de satisfaire les besoins du marché et si tu arrives à satisfaire les besoins du marché les profits le flee et il serait là mais si tu n'es pas capable ça serait difficile ça serait difficile de gagner et d'avoir de l'argent Mais. J'ai juste rejoint le live au moment où vous parlez de ça. Euh, voilà la première, la première partie, l'origine. Elle a deux grandes phases. La première phase, la phase où on n'avait pas de marketing. D'abord, c'est le marketing passif. C'est le marketing transactionnel. Appelez-la comme vous voulez. L'essentiel pour moi, c'est qu'il n'y avait pas cet esprit-là, cette philosophie, cette manière de penser marketing. Dzenab a les éléments. la deuxième phrase. Produire ce qu'on peut vendre. Mais qu'est-ce qu'on peut vendre On ne peut vendre que ce qui pourrait satisfaire les besoins de la clientèle. Donc, la, la pierre angulaire, Hajar Zawiya, autour de laquelle s'articule toute la philosophie, tout l'esprit marketing, c'est les besoins de la clientèle.

Les dentifrices, on achète le sourire. <laughs> on achète le sourire, on achète la l'hygiène, on achète la santé. Donc, pour le marketing. Mais quand je fais les produits en tant que tels, quand je fais l'utilité, qu'est-ce qu'on fait avec ce produit Quels sont les besoins qu'on satisfait avec ce produit Est-ce que les crises et les déséquilibres économiques ne sont pas à l'origine du développement de la discipline de marketing بعدون يقدر يكونوا مصائب مصائب قوم عند قوم فوائده مي اه ما عرفت راني كنفكر على الماركتينغ ديال كورونا <applause> كيفاش يمكننا وهنا غادي يقدروا يعاونوني صحاب الكومينيكاسيون شنو هو الميساج كنعيطوا على عباد الله وكنهضروا معاهم وما بغاوش يدخلوا لديورهم شنو هما لي ميساج بيبليسيتير هم شنو هما لي تيب دو كومينيكاسيون شنو هما هم لي كانو دو كومينيكاسيون اللي ممكن يوصلوا الميساج ويدفعوا الناس انهم يبقاو في, الم... في ديورهم هنا واقيلا spécialiste de, de nudge marketing. Nudge marketing Le nudge, le nudge marketing, c'est un ensemble de moyens qui permettent de changer les comportements et les attitudes des personnes, mais en se basant sur des techniques très douces. Très douces dans le sens où mais chez la manipulation, non, je l'influence dans le sens positif. Pas de manipulation, on a les manipulations, mais on dit, pour connaître les besoins, ce que disent les études de marché, qu'est-ce que tu dois étudier L'environnement. Tu dois étudier le marché. C'est quoi le marché <laughs> Le marché, quand on la question des étudiants, ils me disent, le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Ce n'est pas un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est vrai, c'est une définition qui est valable. Mais attention, qui, qui, peut, qui peut donner la définition du marketing ainsi Je ne sais pas qui a la définition du marketing. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est à l'extérieur du marché. D'ailleurs, où il observe la rencontre entre les offreurs et les demandeurs. Alors, cool Généralement, elle a acheté la définition. Que en parle, là, la première fois, elle a la définition de le marché. Elle l'économiste. Le prof de l'économie, un Un marketeur, ce n'est pas un économiste. Et je vous invite, les spécialistes en marketing, les étudiants surtout, de chercher la différence entre l'économie et le marketing. Un économiste et un marketeur ou là un mercaticien Je ne vois le fric entre eux. Et bien, en a, il la différence entre Donc, automatiquement, y a la manière de voir, la manière de percevoir les choses, est sont différentes. Un économiste, il peut le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Oui, là, quand il y a un tableau de Stackelberg où il fait les différents types de marchés, à l'achable, le nombre de frères, le nombre de demandeurs, où il dit, attention, c'est un lieu qui n'est pas obligatoirement réel, il peut être virtuel aussi parce que on peut téléphoner, on peut faire des transactions via le marché, via l'internet. Oui, mais il y a un marketing. Je suis dans l'entreprise. Je suis offreur et donc je ne peux pas regarder et percevoir le marché de la même manière qu'un qu qu'un qu qu économiste. Je respecte la définition de l'économiste, je respecte la définition du juriste, je respecte la définition du sociologue, je respecte même la définition de quelqu'un qui est dans les sciences, toutes les sciences humaines. Mais j'ai mon angle de vue. J'ai l'habitude de donner une image simple. C'est celle de vous donner un appareil téléphonique et de vous demander de prendre en photo un éléphant. Vous, avez, vous allez le prendre de devant, derrière, d'en bas, d'en haut, du côté, diagonale avant, diagonale, vous aurez plusieurs images. Mais est-ce qu'une image ressemble à l'autre Absolument pas. Qu'est-ce qui diffère C'est l'angle de vue. C'est la même chose pour le marché. Le marché en marketing, je vous donne une seule définition. Je dis une seule et non pas la définition parce qu'il y a plusieurs. C'est l'ensemble des personnes qui achètent ou susceptibles d'acheter mes produits. Soit ils achètent, c'est-à-dire actuellement, merci toute personne qui a répondu à la question de tout à l'heure à l'étude de marché, bravo, alaikum, yesus, adani, etc. Euh, 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 l'ensemble des personnes qui achètent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils sont des clients aujourd'hui dans le marché

c'est un client potentiel. C'est quelqu'un qui est susceptible d'acheter. Il n'achète pas aujourd'hui. Donc, on étudie soit l'environnement, soit le marché, soit le consommateur. Attention à ce que je vous disais avant. L'environnement, il peut y avoir un module. Il peut y avoir un chapitre, il peut y avoir un module. marché, il peut y avoir un module. Le comportement du consommateur, il peut y avoir un module. Mais comment peut-on collecter cette information Quand on a ce qu'on appelle les techniques qualitatives et les techniques quantitatives pour pouvoir collecter l'information, on a bonjour le SIM, le système d'information marketing. Et là, a on a la stratégie, la manière de faire on a un schéma pour structurer les choses, pour que les choses soient en train de se faire. Un schéma, on a un schéma, on schéma, c'est sans problème. Euh.

c'est réfléchir. C'est réfléchir, décider et agir client. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir et agir, décider et agir client? C'est-à-dire que toute entreprise qui veut nous dire qu'elle fait du marketing, elle doit être capable. De réfléchir client, de décider client et d'agir client. C'est-à-dire quoi Tout ce que vous faites à l'intérieur de l'entreprise, vous devez le faire en fonction du besoin des clients. Vous devez le faire en fonction. Il y a une grande surface d'exemple simple. La manière par laquelle on aménage le magasin, mais quand on n'aménage aménage pas de la manière d'y Les produits, la catégorie, les marquer la marque tel. la marque Non la philosophie ou le comportement du client. Il y a les filtres à côté de la, café. la sauce tomate les pâtes. Les produits petit management. On peut la catégorie management. On peut la catégorie. Donc, le marketing, c'est quoi C'est réfléchir. سي ديسيدي اي اجير كليون بغيتو راه ما عنديش لو بروفي راه ما درت البروفي مي هاد القضيه بالرضا مو لا كاع باش باش ندير لونكاج بور كو لي ستوديون لا ميموريز رابيدمون جو لور دي نشكلو الفرنساويه اللي ليها ليها اش خاسرين حنا ودير الرضا السكون والفتحه وكتعطيك الرضا والرضا سي ريفليشير سي ديسيدي اي اجير كليون يا قريض يا ودي انا لا ايمان يا لو كليون اي

mais je te pose la question, est-ce que vraiment le client a aujourd'hui le choix C'est vrai, on en a parlé, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de, 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 de modèles différents pour répondre à un seul besoin. Mais est-ce que quelque part, on ne nous influence pas J'ai l'habitude de donner une conférence à la Journée mondiale de défense des droits des consommateurs, Technique marketing et psychologie de la clientèle. Deux points. Liberté ou soumission. Point d'interrogation. C'est-à-dire est-ce que le client est libre ou il est soumis devant les techniques marketing. Et ma conclusion après avoir analysé tout ce, ce sujet-là, je crois qu'il n'est ni libre ni soumis. Il est généralement conditionné. Deuxième définition de marketing on se met à CDC. Donc RDA, la République démocratique de d'Angola. Et le CDC, le CDC c'est quoi Le CDC c'est trois verbes. Trois verbes quand vous faites le cours, en classe, quand vous faites un minimum, study ou parfois quand vous faites deux semaines. Créer, développer et conserver un marché. Comment les écoles privées marocaines peuvent créer Développer et conserver un marché. Il y a pas mal d'entreprises qui savent créer les marchés, mais ils ne savent pas les développer. Et lorsqu'elles savent les développer, ils ne savent pas les conserver. Lorsqu'on dit créer, ça fait appel à la compétence de la créativité. Est-ce que tout le monde en a J'espère. Et, et je crois que dans le cadre de, de la réforme dont on parlait du baccalauréat, tout le monde parlait des soft skills. Les soft skills ne sont pas une compétence qu'on pourrait acquérir dans un module. Les soft skills sont par définition des compétences des, 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 des transverses. Et par voie de conséquence, il faudrait qu'ensemble tous les professeurs, ils devraient les intégrer dans la manière par laquelle ils font, ils dispensent leurs cours, quelle que soit la discipline et quel que soit le module. Les compétences, les soft skills, ils sont transverses elles devraient être enseignées dans tous les modules. donc, créer un marché. bonjour, la créativité. Là, on peut faire de appel à... on peut faire appel à... ayoub, c'est qui ayoub ben? je ne vois pas ayoub ben. je n'ai pas vu la question. Hein. je n'ai pas vu la question passer. il a comme un quin. Euh... ayoub mohamed An anaki. Si c'est possible de me rappeler votre question parce que je cherche sur le, le, le fil, je ne la trouve pas. Mais euh, il a outlat, je, je, je ferai de mon mieux de, de répondre spontanément euh, à la question. Si j'ai des éléments de réponse, je ne trouve pas du mal à dire que je ne sais pas lorsque je ne sais pas. Je crois que c'est une qualité. Moi, j'y crois de toute façon. Euh, donc, créer, il ne se fait pas de créer un marché. Généralement, les entrepreneurs ce sont des gens qui voient la bouteille à moitié vide. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont ambitieuses et par voie de conséquence, ils cherchent toujours à aller plus loin. Développer le marché. Maintenant, je vous fais appel, euh, pour ne pas trop tarder, je vous renvoie à la matrice TP, euh, PM du couple produit-marché des Goransov dans le cadre de laquelle il a, il a développé les stratégies, euh, les stratégies de développement de, 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 de l'activité des entreprises. Euh, brièvement, il a, strat, il a parlé de la stratégie de pénétration, il a parlé de la stratégie de développement produit, développement marché et la stratégie de diversification. Pourquoi pas établir un business plan Dans quel cadre Dans quel cadre Vous voulez un business plan Ce qui va marcher pendant cette période, quelle période ce qu'il La période de crise s'il y a des spécialistes des crises, ce qui est sûr, l'aïe doza al a été un message, j'ouvre une petite parenthèse aujourd'hui là. J'espère ne pas vous décevoir. Nous sommes à votre service, chers étudiants, partout dans le Maroc, à travers cette initiative de Qaraf Dark. Et on essaie d'aller de, 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 de venir chez vous. Mais vous savez quoi L'enseignement n'est pas la priorité chez moi aujourd'hui. S'il y, y a des priorités aujourd'hui, je crois qu'elles sont deux. La première, c'est la santé. Et la deuxième, c'est l'économie. La première, c'est la santé parce que c'est de l'urgence. C'est très important et c'est urgente. Mais on peut, on peut s'en sortir. Et si on ne sait jamais, notre économie euh, se détériore, on aura du mal à se rétablir.

la normale après. Donc, créer, développer, et lorsque tu crées un marché, tu le développes, l'enjeu majeur à l'après, ça serait quoi C'est de le conserver. Et là, bonjour, toutes les stratégies de fidélisation. C'est quoi la fidélité Êtes-vous pour la fidélité On <laughs> va que vous êtes en live ou en, en, en direct ou en narcissique. Êtes-vous pour la fidélité Quand vous dans un couple Alors Ce qui m'intéresse, c'est que la fidélité, malgré que c'est une réponse connative, mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est des niveaux. Il y a des niveaux qu'on appelle. La fidélité par obligation. Dans un petit village où il y a une seule agence bancaire, on ne peut pas dire que les gens sont fidèles. Ils sont fidèles, oui, parce qu'il y a une seule, une seule banque. Et donc, nous sommes fidèles par obligation. Et il y a d'autres niveaux. C'est lorsque les clients achètent, réachètent. Mais ils recommandent aussi. D'où les stratégies de parrainage pour la fidélisation. Euh, troisièmement, donc, j'ai traité un peu de l'histoire. Je vous ai donné deux définitions. RDC, euh, plutôt RDA. Et la deuxième définition, c'est CDC. Créer, développer et conserver. Après, si vous avez des questions, euh, je pourrai euh, réagir à, à vos questions sans aucun problème. Euh, troisième question. Quelles sont les composantes du marketing Artsoradin Deux niveaux. Je vais découper le marketing en deux. C'est un exercice pédagogique, ni plus ni moins. Marketing stratégique, marketing opérationnel. Ou le marketing stratégique, ce n'est pas parce que c'est stratégique que c'est important. Ou le marketing opérationnel, qu'il est opérationnel, qu'il n'est pas important. Tous les deux, ils sont importants. Rire, c'est un découpage pédagogique. La réalité, tout est dans tout. Tu te retrouves dans une situation où tu réfléchis, tu décides, tu agis, et en termes de variables stratégiques et en termes de variables opérationnelles. Ou là, ce qui est considéré comme stratégique comme ce qui est, ou, et ce qui est considéré opérationnel. Ou bien, maintenant, ce qui est considéré comme stratégique aujourd'hui. Il peut être, il peut être opérationnel demain. Ou là, une partie de ce qui est stratégique aujourd'hui, il peut se décliner en action en opérationnelle. le marketing stratégique. 4P. Probe. Prioritize. Partition and position. Probe comme diagnostic stratégique. Prioritize comme choix stratégique. Partition, la segmentation stratégique. Je dis bien, la segmentation stratégique, pas la segmentation marché, pas la segmentation marketing, pas la segmentation du portefeuille client, pas la segmentation du portefeuille prospect. C'est la segmentation stratégique. Je vous renvoie à, à, à l'ouvrage de Jean-Jacques Lombin si vous voulez développer davantage. Et le quatrième P, c'est position. Position, c'est le positionnement. Ce n'est pas la position. Et le positionnement, c'est la place qu'occupe une marque, un produit, une entreprise, un territoire et une personne même dans l'esprit des, des, des ciblants. Donc, quatre pistes stratégiques. Raconte la paix quand vous avez fait, mais il y a un peu de cours. Mais d'abord, il y la base. Al-Hussein ou Zaka. Al-Kilianouri, il est le roi. هات انا كيعجبوني كيعجبني دوك لي فورمول زويونين وكيدوزو بارتو ولكن مزيان اننا نحققو فيهم شي شويه ونقولو علاش كيقولو كي غوا ونقولو شنو هما لي كونديسيون باش يكون كل كليون غوا ونقولو واش غوا في كل زمان ومكان ونغ... وي باش تكون شي شويه النسبيه نعم خديجه جالف... الف... الفتواكي لو ماركتينغ اي تون مانيير دو بونسي كنقول بعض الخطرات فاش كيكون عندنا الوقت مزيان كنبغي نخدم معاك لوبجيكتيف ديالي في الكور هو انني ندور لك البارابول ديالك حتى يشد لك لا كليون باش تقدر تكون كات ريفليشي تو ديسيد دي ياجي كليون لو شو ايت اون ليزيون وي مي با توجور سو كاينا دونك دوزيام كومبوزونت découpage le premier, le marketing stratégique ou le marketing opérationnel. L'opérationnel fait quatre P, c'est la stratégie de produit, la stratégie des prix, la stratégie de communication et la stratégie de distribution. La stratégie... Euh, live, Yallah, je vais vous dire que je que je vous marketing donc, euh,

quest que ça a horizontal L'horizontal ça le marketing il a pu conquérir grâce à sa philosophie, comme sa philosophie il est bonne, il a été appliqué dans pas mal, il a inspiré pas mal de domaines. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle du marketing des services. On parle du marketing agroalimentaire. On parle du marketing territorial. On parle de marketing hôtelier, on parle du marketing touristique.

c'est lorsque je fais du marketing pour le secteur du digital. Mais généralement, lorsqu'on parle du marketing digital, on fait référence à l'utilisation du digital dans le marketing. on les réseaux sociaux constamment comme moyen de communication ou moyen de distribution il vous n'avez pas la philosophie du marketing, il n'y a pas de digitalisation pour eux. Il faut la philosophie du marketing tu pouvoir utiliser le digital comme il se doit. Sinon... D'ailleurs, l'un de mes tout à l'heure de la transformation digitale. C'est bien d'avoir le digital, mais le digital c'est un outil que je dois mettre au service d'une philosophie, d'une manière de penser, d'une vision de l'entreprise. Ce est normalement orienté marketing. Orienté client. Deuxième volet de développement de marketing, c'est le vertical. Le vertical, il vertical Le marketing relationnel. On a développé la relation. On a la relation. le a développé la relation. digital, a développé la relation. On a développé le relation. On partout. Les composantes, que les mettons à la jauge. la première catégorie, c'est le découpage marketing stratégique, marketing opérationnel. Il une deuxième catégorie qui est relative au domaine d'application du marketing, c'est le développement horizontal du marketing et le développement vertical. Qu'est-ce qui se Il la démarche marketing. ce démarche marketing

نعم سي محمد حمان اوكي جو فو آه راه لو لايف غادي يكون في لاباج وراه حنا داخلين في واحد البروجي ديال القرايه في دارنا غادي تلقاه في اللايف في لاباج وغادي تدار في, في اليوتيوب ونتمنى من الاخوان انهم يلونسيو كاع واحد الجامعه الصيفيه ان العلم للجميع و ويكون فيه الناس اللي كيامنوا كي بان لو بارتاج سي اون فالور العكس Donc, tu partages, tu prends la connaissance et la chose, la seule chose que tu peux partager sans que tu en sois privé. Tu peux donner ceci à quelqu'un et tu ne le perds pas. Au contraire, que tu partages avec lui, tu racontes et tu lui dis que ce qui est avec toi, il veut en prendre davantage. Il veut bien Donc, partagez, partagez et partagez. Dernière séquence, la quatrième il y a les étapes. la démarche, l'esprit, réfléchir, décider et agir. La première étape, c'est comprendre le marché, les besoins et les désirs des clients. Et là, je dis, si tu produis quelque chose qui ne se vend pas, si tu produis quelque chose qui ne répond pas aux besoins de la clientèle, sois sûr et certain qu'il ne va pas rencontrer d'acheteurs. Et si tu produis quelque chose qui ne rencontrera pas d'acheteurs, tu as dit que les entrepreneurs ne peuvent pas faire le flux et ils ne peuvent pas faire le flux et donner le flux. Une fois que tu comprends le marché, tu passes à la deuxième étape concevoir une stratégie marketing orientée vers le client. Tu as dit l'orientation client. Tu as dit que l'orientation client c'est le parabole de l'entreprise c'est l'entreprise qui est orientée client. C'est ce qu'on appelle le module, c'est la philosophie, c'est la façon Il faut créer une stratégie marketing orientée sur client. Troisième étape, élaborer un programme marketing avec une offre correspondante aux demandes du client. Tu ne peux pas dire des choix de ce genre. Comment tu vas A quel type de clientèle Comment tu vas t'agir Avec un client complet ou avec une catégorie de manière générale ça dépend de chaque type de marché. Abdou Fikri, c'est le fait de défendre la marque comme s'il t'appartient. Hadik al-Qadiyaz de Abdou, qu'est-ce qu'on y a C'est plutôt le marketing, hein? C'est plutôt un le personnel d'ielk, c'est qu'on kie aime le blanc marde, d'ielk, enir c'est le lien d'appartenance très fort vis-à-vis de de la marque entreprise. Beshi kadrui wali wihssou bi anra bhal d'ielhomo b'teli wali wki dafu alia paktu. Quatrième étape, c'est bâtir des relations rentables et assurer la satisfaction client. On ne cherche pas à satisfaire, rire pour le plaisir de satisfaire. Non. L'entreprise, n'est pas faite rire pour le social. L'entreprise est faite pour créer de la valeur pour le client, certes, mais pour avoir des bénéfices. Donc, il a une relation avec la clientèle qui est une relation rentable, une relation gagnant-gagnant. Mathi Hesh leib, il y a un acteur, moi le shérif que l'acteur me prévoit, il est à l'acte, le contre la contrepartie, il est l'acteur, il est a Mathi Hesh, Mathi Donc comprendre le marché, concevoir une stratégie orientée vers le client, troisième étape, élaborer des programmes marketing avec une offre. De produits, une offre de services, des packages qui sont orientés clients et bâtir des relations afin de bâtir des relations rentables avec la clientèle. Et tout ça, c'est orienté client. Donc, si tu es capable de mettre des lunettes dans l'entreprise afin que tu puisses réfléchir, décider et agir client, c'est quelque part, tu es dans la philosophie marketing. Donc, le marketing. Ce n'est pas de la communication. Le marketing, ce n'est pas seulement la commercialisation. Le marketing, ce n'est pas seulement la vente. Le marketing, c'est le marketing. <laughs> c'est RDA, c'est CDC. Voilà, les quatre parties terminées. Maintenant, euh, marketing territorial, c'est tout fait. مي الماركتينغ تريتوريال راه هضرت عليه شي شويه قبيله فاش قلنا راه عطيتكم دابا واحد لو شيما جلوبال الماركتينغ تريتوريال السني حبيبي غير اون ابليكاسيون دو لا فيلوزوفي ماركتينغ او نيفو دو تريتوار بان هاد لو كونسيبت علاش C'est-à-dire, que le marketing, la philosophie de il a gagné un nouveau champ d'application que c'est celui de territoire. Alors, les a avec le territoire, ou là où les territoires à l'international, ou là en concurrence. Et toute entreprise, tout territoire qui aimerait bien aller vers l'avant et être compétitif et attractif, il doit mettre en place une approche marketing territoriale afin de drainer, afin de développer son attractivité et assurer un développement territorial. Voilà. Euh, J'espère avoir répondu euh, partiellement à, à, à vos questions. Euh, je salue euh, l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. C'est plus de 300 personnes depuis le début du live. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les, les personnes qui ont partagé ce live un peu partout. Partagez-le. العلم العلم للجميع الله ينفعنا به وينفعكم به ويجعلنا صدقه جاريه وكنرجع وكنقول الله الله يحضر السلامه في هذا ال في هاد ال في هاد الوقت هذه بالنسبه لبلادنا الله يخلينا جميع ضامنين ومتحدين على اساس اننا نتخطاو هاد لي مومون ديفيسيل اللي كيدوزهم العالم بشكل عام وبلادنا بشكل خاص كورونا فيروس الاخوان سيتان فيروس سوني كان فيروس غادي يدوز ان شاء الله ولكن باش يدوز كما كتعرفوا الخصائص ديالو الخص... الخاصيه الاساسيه ديالو هو انه كيتنقل بطريقه سهله من شخص لشخص ما دايرش الرجلين ما دايرش الجناحين ماشي هو اللي كيقلب كي علينا حنا اللي كندوزوه بيناتنا دونك الا كان ممكن نبقاو في ديورنا ونخليو السلطات دير خدمتها بالنسبه للناس لي عندي اون بونسي بارتيكوليير الناس اللي ما فحالهمش ما كنعتقدش بان السلطه بان الدوله ما فكرتهمش ما يمكنش الدوله تقول لنا دخلوا لديوركم ما يمكنش الدوله تقول لنا تسدوا على روسكم وبلا ما يكونوا عارفين شكون احنا وبلا ما يكونوا عارفين شحال من واحد مخصوص وفين كاينين كيعرفوا كل شيء وبالتالي كنتمنى انهم يعجلو بها ويوصل المؤونة للناس ولكن كنتمنى أنها توصل في الوقت اللي خصها توصل فيه أما حاليا راه الناس كلها دارت الخزين ديالها شي شوية بلا ما نعجلوا بلا كريز ما عندناش الأزمة الحدود الساعة الحمد لله ونزيدكم واحد الحاجة اللي كتفرح بزاف أنا شفت لي كورب ديال ليفولوسيون ديال لو فيروس Partout, dans les pays qui ont compris cette crise, l'évolution de 9 blades n'a pas suivi le même rythme. que les autres pays le rythme عندنا ناقص لان الحمد لله الدوله دارت عمليه استباقيه شيئا ما في الوقت المناسب يمكن يكون كان عندنا شي شويه الروتر لان عاوتاني راه ماشي ساهل راه لو كان جينا شحال قبل ما يوصل مازال كنا كنضحكوا بالتالي الاخوان ما نستهنوش بهذا الفيروس كل واحد يدخل لدارو كل واحد يدير الحج الصحي كل واحد يبقى في دارو لان هذه هي يمكن الحاجه الاساسيه اللي ممكن انها أه... تحد من هذه الافه هذه كنشكركم بزاف كنشكر السي صلاح كنشكر السي ستي وجميع الزملاء اللي قاموا بهذه المبادره هذه وتحيه لكم و... والله ي... يدير تاوي الخير اكون يعاون ربي قيمة تاع الدروين نون جلسوا داركم غيستي شي فو ستي تشاو